j'ai eu le grand honneur d'exercer cette fonction précédemment durant la période du mois de juin 2010 au février 2014. Mon épouse et moi sommes d'ailleurs très touchés de vous retrouver à l'entrée de la salle avec quelques vieux amis haïtiens de l'époque. Distingué invité, cher ami, la République de Taïwan réjouit actuellement la plus stable macroéconomie au monde et de la quatrième place au niveau des pays innovateurs. Il me plaît de vous informer que plusieurs grandes entreprises internationales évoluant dans toutes les branches d'activité de production ou d'intelligence artificielle, indistinctement, je citerai particulièrement Google et Ronta, qui ont augmenté significativement leur investissement dans leur siège d'opération ou de fabrication basée à Taïwan. Nous ne cesserons de poursuivre nos efforts en vue de développer nos capacités d'autosuffisance énergétique et de renforcer également nos capacités de défense nationale en appui à notre politique étrangère. À ce propos, c'est avec la plus grande joie que nous exprimons nos sentiments de notre reconnaissance à la République d'Haïti pour son appui constant et son faille à la République Chine Taïwan sur la scène internationale, notamment en ce qui concerne ses revendications légitimes de participer à l'Organisation des Nations Unies, à l'Organisation mondiale de la santé, à l'Organisation de l'aviation civile internationale, à l'Interpol et à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Cet appui constant de la République d'Haïti à la République de Chine-Taïwan et son soutien aux revendications légitimes des pays non satisfaits de leur traitement jugé injuste sont révélateurs. Sans l'ombre d'un doute de ces bonnes prédispositions au respect du principe d'autodétermination des peuples auxquels elle demeure profondément attachée, je voudrais à cet égard présenter au nom de mon gouvernement et du peuple taïwanais notre gratitude à son Excellence Monsieur le Président Jovenel Moïse, à son gouvernement et surtout au peuple haïtien. Excellence Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de Culte, l'excellente qualité des relations entre nos deux pays puise toute sa force dans la longue amitié sans faille qui unit remarquablement le peuple haïtien et le peuple taïwanais. Il y a en effet plus de 63 ans depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays qui ont d'ailleurs pris un nouvel élan suite officiel d'échange et d'amitié de notre chef d'État, Son Excellence M. Jovenel Moïse, à Taïwan en mai 2018, et Son Excellence Mme Tsai Ing-wen en Haïti au mois de juillet dernier. La République Chine-Taïwan et la République d'Haïti, dans un esprit de partenariat étroit et fructueux, continuent de s'engager dans des relations de coopération basées sur des projets bilatéraux viables couvrant plusieurs domaines d'activité jugés prioritaires pour le gouvernement de la République d'Haïti dans sa quête du développement économique du pays et du bien-être du peuple haïtien. Monsieur l'ambassadeur, la commémoration de la fête nationale d'un pays ami comme le vôtre constitue un événement privilégié pour consolider l'amitié entre les deux peuples
et rappeler solennellement les grands moments de l'histoire qui ont marqué nos relations bilatérales. L'histoire de nos deux peuples est une histoire de lutte multiforme pour la survie, l'indépendance et la souveraineté. La détermination avec laquelle nos peuples s'engagent dans ces luttes constitue le dénominateur commun de nos combats passés et présents et nos espoirs pour des lendemains prometteurs. Depuis le soulèvement de Wuchang, qui a mis fin aux dynasties impériales en Chine, le 10 octobre 1911, cette date constitue un moment important dans l'histoire de la République de Chine, Taïwan, et cette date marque en effet, malgré un intermède de guerre civile, le début d'une longue marche vers le progrès et la démocratie. Et au fil des ans, les valeurs culturelles, politiques et philosophiques de liberté et de fraternité du peuple taïwanais ont permis à ce pays, petit par sa superficie géographique, mais grand pour être un modèle de développement humain et d'innovation industrielle dans le monde d'aujourd'hui et de demain. En effet, et malgré les conflits avec son puissant voisin de l'autre côté du détroit, Taïwan a su garder et cultiver une attitude non belligérante à l'égard de ce dernier et de concorde vis-à-vis des autres voisins du Pacifique. C'est donc à juste titre que le pays réaffirme incessamment sa volonté et sa capacité à jouer un rôle plus important, non seulement dans la prospérité et la stabilité de la région Asie-Pacifique, mais aussi au sein de la communauté internationale et notamment à travers les organes spécialisés des Nations Unies. Monsieur l'ambassadeur, les relations diplomatiques entre la République d'Haïti et la République de Chine-Taïwan se sont consolidées au fil de 63 ans d'amitié, de coopération et d'entraide. Aujourd'hui, le gouvernement haïtien se réjouit du partenariat existant entre nos deux États. Ce partenariat trouve son expression dans plusieurs accords de coopération dans divers domaines tels que l'enseignement supérieur, l'économie, l'énergie, la sécurité alimentaire, les infrastructures routières, l'environnement et le renforcement institutionnel. Ce fut un moment très émouvant dont nous garderons encore longtemps dans les annales historiques de nos relations diplomatiques. Pour clore mon propos, Monsieur l'ambassadeur, mes chers amis, je vous félicite ainsi que votre équipe pour cette belle et formidable soirée de célébration. Je forme au nom du Président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse, le Premier ministre Lapin, les membres du gouvernement, du peuple haïtien, et en mon nom personnel, des vœux pour le bonheur personnel de la présidente Tsai Ing-wen, la prospérité croissante du peuple taïwanais et le resserrement continu des liens bilatéraux entre les deux pays et le raffermissement
des liens de fraternité entre nos deux peuples. Vive la République de Chine, Taïwan. Vive la République d'Haïti. Et vive l'amitié haïtiano-taïwanaise.